んにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。 Le 25 avril dernier, la police de Matsubushi dans la préfecture de Saitama recevait l'appel d'un piéton qui signalait un individu suspect assis dans sa voiture depuis des heures, le regard dans le vide. Arrivé sur place pour un contrôle de routine, l'homme, Ogino Shigenori, 49 ans, qui semblait avoir décroché du réel, leur demanda de les suivre chez lui à Kasukabe pour leur montrer quelque chose. Ce qu'ils découvrirent dans la maison n'était guère réjouissant. En effet, guidés par une odeur insupportable, les policiers trouvèrent le corps sans vie d'une femme de 79 ans, le crâne et la face défoncés et allongés sur le sol de la cuisine de la petite maison. Il était 22h ce soir-là lorsque la police plaça l'homme, visiblement dans un état second, en garde à vue. L'autopsie de celle qui se révélera être sa mère montrera que la femme avait été battue avant de succomber à une dizaine de coups de marteau portés à la tête et dans la figure. Il ne fallut pas longtemps pour que le suspect, visiblement très perturbé et instable, n'avoue son crime et n'en expose les raisons. Ogino, sans emploi depuis 1998, était tombé dans une addiction aux jeux vidéo et passait ses jours et ses nuits devant son écran, déléguant à sa mère de 79 ans le soin de travailler pour subvenir à ses besoins. Veuve depuis 1996, Madame Ogino avait du mal à assurer la subsistance du foyer et ne pouvait plus faire face aux dépenses en ligne de son fils, grand fumeur et buveur qui plus est. Il aurait expliqué que sa mère, malade depuis quelque temps, avait dû réduire ses heures de travail et avait donc un salaire réduit qui ne lui permettait plus de payer skins et extensions de jeu pour son fils, lui demandant même de réduire sa consommation de tabac et d'alcool pour des raisons de budget. Il ne l'aurait pas supporté, l'aurait frappé à plusieurs reprises, mais c'est une réduction des services internet pour factures impayées qui aurait mis le feu aux poudres. Ogino dit avoir vu rouge et n'avoir pas pu supporter les excuses de sa mère attrapant un marteau posé sur une étagère et la massacrant avec. Le procureur en charge de l'enquête a demandé une expertise psychiatrique, car en consultant son dossier scolaire, Ogino avait été signalé comme ayant des troubles du comportement lorsqu'il était au lycée. S'il est reconnu responsable, il s'expose à une mise en examen pour meurtre aggravé et risque la prison à vie. Affaire à suivre. Après l'arrestation et la condamnation d'un groupe d'antivax qui avait saccagé un centre de vaccination de Tokyo en décembre dernier, c'est au tour d'un autre complotiste fauteur de troubles de faire face à la justice. L'homme, Koraoka Hiroyuki, 43 ans, n'est pas inconnu des services de police et a déjà été arrêté pour diverses actions anti-gouvernementales et harcèlement en ligne de personnalités politiques et publiques. Leader de Yamato-kyo, la branche japonaise de QAnon, cette joyeuse assemblée conspirationniste américaine, il était devenu la tête de file du mouvement anti-vax au Japon et s'était déjà fait remarquer lors de manifestations illégales contre le confinement, les mesures sanitaires puis la vaccination obligatoire. Mais le 7 avril, c'est une action violente au centre de vaccination de Shibuya avec 10 de ses complices qui lui valut son arrestation et son placement en détention. Ce jour-là, vers 9h30 du matin, le groupuscule s'était attaqué au centre vaccinal pour enfants en bloquant l'accès aux familles et tentant d'enverrouiller les portes, brandissant des pancartes « La vaccination est un crime » ou « Ne touchez pas nos enfants ». Mais dans la panique, le commando avait bousculé une femme de 35 ans venue avec sa fille de 10 ans pour répondre à sa convocation vaccinale contre le Covid. Immédiatement arrêté et placé en garde à vue, Kuraoka, le leader de ce groupuscule qui ne compte qu'une centaine d'adeptes au Japon, a fait appel à un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires et crie à l'arrestation arbitraire et politique. Déjà condamné à des amendes et du sursis pour des actions contre un relais 5G et une clinique qui pratique l'avortement, il risque cette fois de ne pas s'en tirer à si bon compte. Le procureur en charge du dossier a demandé une fermeture immédiate du site de Yamato-kyo et une convocation de tous ses membres. Koraoka, lui, est mis en examen pour trouble à l'ordre public, dégradation de biens publics et violences volontaires sur mineurs de moins de 13 ans. Il risque 5 ans de prison. Affaire à suivre. We'll be right back.
Je vous en avais parlé dans une longue vidéo consacrée au meurtre de Shimabukuro-Rina. Les bases militaires américaines à Okinawa posent un vrai problème de sécurité pour les femmes japonaises. Une fois encore, c'est un drame terrible dont a été victime une jeune femme de 20 ans qui vivait à proximité de l'une de ces casernes. Le 23 décembre dernier, un couple de Iwakuni appelait la police et les secours après qu'une femme ait frappé à leur porte, affolée, en sang et visiblement traumatisée. Prise en charge par les urgences, elle racontera comment elle avait été agressée, frappée et violée par un marine américain dont elle fournira une description précise. En plus de lésions génitales importantes, la victime souffrira d'une fracture de la pommette et de trois côtes. Des prélèvements ADN sur la victime mirent à jour un profil et les autorités japonaises déposèrent une demande auprès de l'administration militaire américaine pour avoir accès à leur base de données génétiques afin de retrouver le coupable. Malgré les accords de coopération signés suite à l'affaire Shimabukuro, il a fallu 4 mois pour qu'un suspect soit identifié par la police militaire US et remis au procureur avant qu'il ne quitte le territoire. Le 19 avril, le caporal Jordan Bigay a donc été placé en détention provisoire après avoir été confondu grâce à son ADN et formellement reconnu par la victime. L'officier de liaison américain a livré son dossier militaire sur lequel il apparaît que l'homme s'était déjà rendu coupable d'un viol en 2020, agression passée sous silence auprès des autorités japonaises et traitée en interne. Après une recherche dans les plaintes enregistrées à cette période, il semblerait que la victime n'ait pas porté plainte, ce qui arrive malheureusement 2 fois sur 3. Les autorités militaires américaines affirment qu'elles font tout leur possible pour coopérer avec la justice japonaise et faire en sorte que les mentalités changent dans leur rang, ce qui semble commencer à porter ses fruits puisque les agressions sexuelles dues à des soldats américains ont baissé de 20% depuis 5 ans. Elle reste malgré tout très élevée et sans commune mesure avec le reste du territoire national. Le gouverneur d'Okinawa, Tamaki Deni, a demandé une peine exemplaire au procureur et une nouvelle fois sommé les officiers supérieurs des bases US de tenir leurs soldats ou de les renvoyer chez eux. Un vœu pieux sans doute dans ce conflit larvé qui s'étend sans solution depuis 77 ans. Comme dans les dernières affaires du genre, le procureur requiert 20 ans de prison à l'encontre de Bigay, peine qui devrait être suivie par le juge et le jury. Le jeune marine plaide sa nature impulsive et son attraction irrépressible pour les femmes locales, affirmant que la victime avait engagé la conversation avec lui dans un parc de la ville, raison suffisante selon lui pour exprimer un consentement. Il y a effectivement encore beaucoup de travail à faire, ou peut-être juste fermer enfin les bases américaines illégales sur le territoire, non ? Affaire à suivre. Le 19 avril dernier, vers 8h30 du matin, la police préfectorale de Saitama recevait l'appel d'un homme signalant qu'une femme et son bébé venaient de s'écraser au sol devant lui, alors qu'il se promenait. Les secours d'urgence arrivés très rapidement sur place ne purent que constater le décès de la mère de 34 ans et de sa petite fille de 10 mois. La femme, en pantalon de jogging et en t-shirt, pieds nus, et la petite fille en body venaient de chuter de 3 étages, dont ce qui sera vite confirmé comme un suicide. En effet, la police, en enquêtant dans l'appartement, a retrouvé les sandales de la jeune mère posées devant la rambarde du balcon, ce qui est souvent le cas dans ce genre de suicide. Le mari, parti au travail au moment des faits, a été interrogé par la police et ne semble pas comprendre ce qui a pu pousser sa femme à commettre un pareil geste. Il parle de difficultés financières au sein du foyer suite à la naissance de leur petite fille et à la perte d'emploi de sa femme, mais rien qui ne justifie un tel désespoir. Les proches, entendus eux aussi par la police, parlent d'une jeune femme gaie et dynamique qui aurait changé de caractère depuis son accouchement et serait devenue plus sombre, mais sans aucun signal morbide alarmant. Les enquêteurs sont en train d'analyser son téléphone et son ordinateur pour essayer d'y trouver des indices quant aux motivations possibles d'un tel acte. En 2021, ce sont 17 mères qui s'étaient ainsi jetées de leur balcon avec leur bébé dans les bras. Affaire à suivre. Certaines affaires de meurtre sont plus compliquées que d'autres à appréhender pour la justice et la police. Celle qui a eu lieu à Namazu, dans la préfecture de Shizuoka, en fait partie. Le 16 avril dernier, vers 6h30 du matin, un touriste qui venait admirer le paysage depuis le site de Dehai Misaki, un point de vue réputé de la région, a fait une sinistre découverte.
Un homme d'un certain âge, visiblement perturbé, lui demanda d'aller voir la rambarde de la plateforme d'observation et d'appeler la police. Intrigué, il jeta un coup d'œil et vit une corde attachée à la barrière et au bout, le corps d'un homme pendu dans le vide. Il appela la police qui vint au plus vite et constata le décès de l'homme de 30 ans. Son père, Yukitake Tadayuki, 64 ans, avoua avoir forcé son fils à se pendre la veille au soir et être resté toute la nuit assis sur un banc à chercher la force de se suicider. Placé en garde à vue et interrogé par la police préfectorale de Shizuoka, l'homme a expliqué son geste et révélé un drame familial de plus. Son fils, sans emploi depuis sa sortie d'un passage express à l'université, vivait à ses crochets et s'était enfermé dans une espèce de bulle, entre jeux vidéo, DVD d'animation et collection de figurines compulsives, refusant petit à petit de sortir, ce que l'on appelle un hikikomori. En 2010, il avait commencé à manifester des troubles violents du comportement et s'en prenait régulièrement à sa mère, verbalement d'abord, puis physiquement. La pauvre femme décédera d'un cancer en 2015 qu'il attribuera au stress intense qu'elle subissait. Depuis quelque temps, son fils, toujours reclus dans sa chambre, commençait à manifester des intentions meurtrières à l'encontre de ses contemporains et s'en prenait aussi à son père. À bout de force et moralement épuisé, Yukitake avait décidé d'en finir et d'emporter son fils avec lui. Il n'aura pas eu le courage de se supprimer et devra porter ce fardeau toute sa vie. Il a été mis en examen pour meurtre aggravé et risque la prison à perpétuité. Affaire à suivre. Le 15 avril, une équipe de la police criminelle de Tokyo venait interpeller une jeune femme de 28 ans, Hashimoto Shiho, à sa descente d'avion à l'aéroport de Narita. Interpellée quelques jours auparavant à l'aéroport de Heathrow, en Angleterre, par la police de l'air et des frontières, elle était soupçonnée de vouloir pénétrer sur le territoire britannique avec un passeport qui n'était pas le sien. Vérification faite auprès des autorités japonaises, il s'était avéré que la jeune illustratrice de Tochigi était recherchée pour le meurtre de sa mère de 54 ans quelques semaines auparavant. L'affaire remonte au 24 mars, jour où un passant avait signalé à la police la présence d'une femme inanimée sur son balcon. L'équipage avait retrouvé Madame Hashimoto morte et présentant de nombreuses blessures à l'arme blanche au niveau du cou et du visage. Veuve et vivant seule, la porte de son appartement fermée à clé, les enquêteurs s'étaient immédiatement tournés vers sa fille unique qui habitait à quelques kilomètres seulement où elle avait installé son studio de graphisme et d'illustration. Introuvable à son domicile, les autorités avaient lancé un avis de recherche à son encontre, sans succès. La suspecte avait prélevé de fortes sommes sur les comptes de sa mère avant de disparaître totalement. Il aura fallu attendre son arrestation par la police anglaise pour connaître le fin mot de l'histoire et démêler une affaire peu glorieuse. Lors de ses premières auditions, Hashimoto a avoué avoir volé le passeport de sa mère et une forte somme d'argent en espèces et sur ses comptes avant de prendre un avion pour Londres, se grimant comme elle pouvait pour ressembler à sa mère. En grande difficulté financière, elle avait demandé une nouvelle aide à sa parente qui lui avait refusé, lui reprochant visiblement son train de vie trop important par rapport à ses revenus. Une dispute aurait éclaté qui aurait vu la mort accidentelle de la victime. Mais les légistes sont formels, l'agression mortelle dont a été victime Madame Hashimoto, mère, a été d'une grande violence et les coups portés pour tuer, visant des endroits vitaux. C'est la prise d'empreintes digitales par la police de l'air anglaise et la comparaison avec celle du passeport biométrique qui a permis d'arrêter celle qui, selon ses dires, comptait bien refaire sa vie au Royaume-Uni avec un homme rencontré sur Internet. Elle a été présentée au procureur de Tochigi et est mise en examen pour meurtre aggravé. Elle risque 30 ans de prison. Affaire à suivre. Le 2 avril 2022, un événement fort inhabituel est arrivé à la prison de Fukushima. Au petit matin, alors que le gardien portait le petit déjeuner dans les cellules, un homme de 63 ans, emprisonné depuis 2 ans pour des violences avec armes liées au Yakuza, a été retrouvé mort, couché dans son futon. Le prisonnier qui partageait une cellule avec 5 autres détenus avait été roué de coups et avait succombé à un éclatement de la rate et du foie. Le nombre d'os cassés et de coups révélés font penser aux autorités qu'il y avait plusieurs agresseurs pendant cette nuit fatale. Interrogés, les co-détenus nient toute implication et refusent même de répondre aux questions des services d'enquête interne. Emprisonné pour des délits en rapport avec un gang mafieux de la région, l'homme était un prisonnier modèle et participait à la vie de la prison.
Lors de son procès, il aurait passé un accord avec le juge pour réduire sa peine et il est fort à parier que c'est cette petite faute sur son CV de gangster qui lui a coûté la vie. Takayama Masanori, le directeur de la prison, a pris l'affaire très au sérieux et promet de tirer ce meurtre au clair très rapidement. Il assure aussi que les prisonniers sont tous bien traités dans son établissement et qu'il n'est pour rien dans cette mort. Les morts violentes dans les prisons japonaises sont très rares et toujours considérées comme une priorité pour les autorités. Dans ce système carcéral où les prisonniers sont surveillés jour et nuit, ces meurtres, quand ils arrivent, sont commis dans les unités de fin de peine, services dans lesquels les prisonniers sont en cellule commune de 6 personnes et moins surveillés. Les 5 hommes avec lui cette nuit-là sont tous en quartier de haute sécurité maintenant et interrogés par une unité spéciale. Affaire à suivre. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, le saviez-vous? Ce « Il était une fois au Japon » est le 30e du genre, oui, je sais. Les premières éditions ne s'appelaient pas comme ça, mais il me faut bien quelque chose à célébrer, sinon où va le monde, hein? Non, c'était pas une question, enfin si, mais... Ah, ferme-la! Alors pour fêter dignement cet événement majeur dans l'histoire de l'humanité... Quoi? Non, toujours pas le journal. Non, mais il va falloir arrêter maintenant. Pour fêter dignement cet événement majeur donc, disais-je avant d'être grossièrement interrompu par moi-même, qui faisait semblant qu'il y avait quelqu'un avec moi pour masquer une grande solitude, je m'en vais vous conter les suites des aventures de Nakamura Shiheiro. Ah oui... Enfin, je ne m'en vais pas vraiment, je reste. C'est juste une figure de style pour ne pas employer un bête « je vais ». Mais là, je sens que je commence à être pénible. Nakamura Shiheiro, donc, vous vous en souvenez? Si je vous dis Akashi, préfecture de Hyogo, fétichisme et instruments de musique... Ah, je vois que votre mémoire sélective s'en souvient. Sous-vêtements? Non. Chaussettes? Non. Tablier, non. Twingo, le voleur de flûte. Oui, mes amis, pour notre bonheur à toutes et à tous, il est de retour. Là où certains attendent en vain un hypothétique messie, il n'aura fallu au palucheur de flûtio de Akashi qu'une petite année pour ressusciter. Hosanna, mes amis, réjouissons-nous et tuons le veau gras. Il est l'heure de rouvrir le grand livre des perversions humaines pour y étoffer un chapitre de la plus belle façon possible. Tout juste remis de sa cruelle arrestation pour pratique d'un hobby à ses yeux bien innocent, l'homme était fort marri d'avoir perdu sa belle collection de flûtes et pipeaux et à 61 ans, avait mal vécu les réprimandes d'un jeune freluqué en blouse blanche qui, semblant faire passer des vessies pour des lanternes, lui recommandait la fréquentation d'humaines de son âge plutôt que d'objets inanimés pour assouvir ses appétits charnels. Alors, tel papillon évadé du bagne, le seigneur, libéré de ses contraintes légales, se mit en tête de rattraper le temps perdu à cause de ses empêcheurs de souffler en rond. Le 5 mars, à l'heure où blanchit la campagne, notre bouloteur de fifres faisait ses exercices matinaux et croisa la route d'un établissement d'enseignement public secondaire de premier cycle, un collège quoi, placé sur son chemin par la divine providence. Il n'était point question d'en douter. Tous ceux qui un jour ont dû passer par la privation d'un de leurs péchés mignons connaissent cette petite voix qui vous susurre la douce mélopée du « vas-y, juste un coup une fois et c'est tout » et qui rouvre la porte au vilain démon cornu du plaisir coupable. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire Archéoptérix, oui c'est un peu long pour franchir les grilles d'une école, surtout à 61 ans, notre anti-héros Lubrix se retrouva plongé dans un océan de tentations tel qu'il n'en rêvait plus. Au milieu des casiers débordant de livres et de chaussettes de rechange, elles étaient là, les divines flûtes dans leur étui protecteur garant d'une bave conservée dans les meilleures conditions. Une, deux, trois, quatre et cinq plus, ce serait de la gourmandise. Effaçant ses traces comme un trappeur, il s'exfiltra des lieux pour mieux profiter de ses nouvelles acquisitions, au calme dans son appartement se dérobant aux yeux et aux jugements de ce monde qui, décidément, ne comprend rien à la passion. La légende raconte qu'un séisme aurait été ressenti par les habitants de Akashi sans qu'aucune agence ne le détecte. Mais voilà, le goût subtil des sécrétions buccales s'estompe et le plaisir s'en va plus vite que ne reviennent les cheveux sur les crânes profanés par la course inéluctable du temps. Alors n'écoutant que son courage, enfin surtout cette petite voix de bon conseil qui vous indique la clôture électrique lorsque votre vessie demande de l'air, il reprit sa quête de bonheur dès le lendemain matin.
Par chance ou par bienveillance, les dieux avaient placé sur son chemin nombre d'établissements, autant de terrains de cueillette pour notre esthète de la clarinette. En embuscade, tel un vieux puma fatigué, il vit avec extase ce groupe d'élèves pénétrer sur le terrain de sport d'un collège du quartier. Mais ne vous y trompez pas, Nakamura n'est en rien intéressé par les humaines et, parole de son psy, il est aussi inoffensif qu'un eunuque dans un harem. Non. L'objet de toutes ces convoitises est autre, de bois ou de métal, mais à coup sûr plein de bave. Mais alors qu'il repérait un passage vers le vestiaire, il remarqua le sifflet chromé que la vieille prof de sport n'avait de cesse de mettre dans sa bouche pour rythmer l'exercice quotidien de ses protégés. Certes, la pédagogue semblait avoir échappé depuis longtemps à la mortalité infantile, mais après tout, 18 ou 55 ans, un sifflet baveux reste un sifflet baveux. En un éclair, Naka la patoune bondit de son banc et courut vers la coach. D'un geste bref et chirurgical, il lui arracha le sifflet des mains et courut vers les vestiaires. Plus que 10 mètres, il rentre dans le gymnase, saute, esquive un cheval d'arçon et le voilà à l'abri. Derrière lui, il entendit le bruit et la fureur de celle qui cherche son instrument de pouvoir et fait appel à sa hiérarchie. Un coup d'œil rapide autour de lui, c'est plus que tout ce dont il aurait pu rêver. La salle des coffres, l'arche d'alliance. Au milieu des casiers, il ne fallut pas longtemps pour mettre la main sur une demi-douzaine de flûtes et trouvant le temps un peu long dans son bunker provisoire, il se dit qu'au lieu d'emporter, il allait consommer sur place. C'est l'entraîneur de baseball et ses 20 élèves qui mirent fin à ses activités manuelles, battes à la main et rouges au front, trouvant Nakamura dans la même situation à une lettre près. Le pantalon sur les chevilles, il baissa sa garde. C'est la police locale qui déchargea le coach de ce fardeau sans que lui n'en ait eu le temps. Présenté au procureur pour la énième fois, Pipoman n'échappera pas à la tôle cette fois. Qu'il se rassure, il pourra toujours jouer de la flûte en détention, sans doute sera-t-elle un peu moins musicale. Moralité, oh et puis flûte. Le coup de pouce du jour sera pour une chaîne Twitch et YouTube qu'il m'a été donné de découvrir récemment grâce à mon frère Andy encore une fois. Fréquence Métal, puisque c'est son nom, parle essentiellement de musique traditionnelle serbe du Moyen-Âge. Non, pas du tout. Vous l'aurez compris, on est là sur un beau programme qui nous fait voyager au cœur de notre musique préférée, le... Gilles et ses amis, au travers d'un format plateau, chroniques et invités, nous fait découvrir la nouvelle scène et ses acteurs, laissant la part belle à l'humour et la parole à ses invités. Le vieux briscard que je suis y a retrouvé de cette belle ambiance qui régnait dans les studios des radios pirates des années 80. De plus, la bonne humeur et la bienveillance dont ils font preuve m'a fait un bien fou, à l'heure où certains youtubeurs metal tentent à se prendre pour des élites intouchables et donneuses de leçons, mais chut, je me tais. Alors oui, si comme moi vous aimez cette divine musique et voulez en savoir plus sur ceux qui la font, le tout sur un ton de soirée entre potes, alors foncez et allez donner de la force à Fréquence Métal sur Twitch d'abord et en rediffusion sur YouTube. Comme dirait l'autre, non pas lui, l'autre, tous les liens sont dans la description. Voilà, cette 52e édition de Petit Satsujin est presque terminée, mais avant, laissez-moi ajuster mes bas et rejoindre mon bout de trottoir, c'est l'heure de la retape. Tout d'abord, et ce n'est pas faute de vous l'avoir dit, vous êtes toujours plus de la moitié à regarder mes vidéos sans être abonné, alors une fois encore, je vous laisse 5 secondes. Voilà, c'est mieux. La cloche, c'est bon. Ok, alors la suite. Comme vous le savez, papa YouTube pense que j'ai été un machin garçon, alors il me démonétise un grand nombre, la majorité en fait, de mes vidéos. Mais dans sa grande bonté, il m'a offert les Super Thanks. Les merci dans un petit cœur en français. Mais qu'est-ce donc que ce prodige? Eh bien vous le verrez, sous les vidéos, il y a désormais un petit cœur avec un dollar. Si vous cliquez dessus, vous pouvez me laisser un petit pourboire et m'aider ainsi à poursuivre le boulot. Pour info, le Cold Case Meurtre au Kabukicho m'a pris 3 mois de préparation et d'écriture, 2 semaines de réalisation et m'a coûté 400€ en documentation payante diverse. La vidéo ne me rapportera à rien, ainsi en a décidé YouTube. Merci.
Alors, si vous le pouvez, estimez que mon travail mérite d'être payé, on ne sait jamais, vous pouvez aussi faire un tour sur ma page Tipeee et Utip ou sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne et pas mal de goodies. Idem pour la boutique Spreadshirt qui vous offrira l'occasion unique d'être le plus classe de la plage et de séduire enfin celle ou celui qui vous snob depuis tant d'années. Rejoignez-moi sur Discord et sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook et c'est nouveau sur TikTok. J'y suis assez présent et y poste souvent des photos de flûtes traversières. Allez, je vous laisse, je dois aller marcher un peu. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Matanée.